J'ai décidé de participer à cette convention parce que je pense que c'est une chance, je dirais même un honneur. On nous propose de donner notre avis, de faire porter notre voix. Je trouvais dommage de ne pas saisir cette opportunité. Alors après 4 sessions, aujourd'hui on a quand même commencé à définir un petit peu des propositions. Donc on a 2 axes majeurs. Donc le premier, il est plutôt orienté sur les moyens, que ce soit financiers ou humains, à mettre en œuvre, à améliorer ou à faire évoluer. Et le second, il est plutôt orienté sur les différentes situations qui ne sont pas prises en compte par la loi actuelle Claeys-Leonetti. Et donc comment on pourrait créer un cadre ou améliorer ce cadre, le faire évoluer aussi. Et au sein de ces 2 parties, on commence à émettre des idées, des avancées. Donc on commence aussi à débattre vraiment en profondeur. Il y a des consensus mais aussi des dissensus. Et voilà, on est au cœur du sujet. Surtout au psychiatre qui nous a éclairé sur les besoins des personnes avec des maladies psychiatriques. Il nous expliquait que les personnes atteintes de maladies psychiatriques ne souhaitaient pas mourir, ne souhaitaient pas se suicider. C'est un moment qui nous a tous marqués, en tout cas dans mon groupe. Je me sens motivée dans le sens où on produit vraiment des choses concrètes, on avance, chose qu'on faisait plutôt de manière plus lente auparavant. Donc là, de rentrer dans le vif du sujet, en tout cas ça me motive. On parle des personnes en fin de vie qui sont plutôt âgées, mais on parle aussi des enfants. On parle des handicapés, on parle des maladies graves et incurables. On parle de beaucoup de situations qui sont différentes et uniques. Et donc je m'interroge encore sur la façon dont on va réussir à produire quelque chose qui puisse correspondre à chacun. C'était justement d'avoir des retours d'expérience, peut-être pas de patients, mais de proches. Qui ont pu vivre des moments compliqués où la loi ne leur suffisait pas. Un premier mot, ce serait productive, parce que justement, donc là, on a travaillé pour produire quelque chose de concret, on a choisi nos mots, on va encore revenir dessus, mais on commence vraiment à émettre des propositions. Donc productive. J'avais respect aussi comme autre mot, parce que malgré nos différentes idées, sur nos différents points de vue, on arrive à garder cette écoute de chacun et ce respect des idées et des autres. Et je pense que c'est important dans une convention comme celle-ci.